Cousine, je suis très contente pour toi. Oh, merci, maman. Oh, quelle chance. Tu sais, on a tellement prié que Dieu a exaucé pour moi. Le tien ne va pas tarder. Amen. Ah oui, c'est sûr. Amen, amen. Edwige. Oui. Il a dit que la réception du mariage, c'est où? Oh, tantôt il dit 2 février, tantôt il dit Sarakawa. Bon, je ne sais pas, mais je sais que ça sera une grande fête. Et Edwige. Moi je sors. D'accord. Maman rentre pour toi. Hein. D'accord ma chérie. Samsia, maman. Tu salues ta maman quand tu rentreras. D'accord maman. Maman ne tarde pas. Hein. Merci ma chérie. Maman rentre pour toi. Edwige. Oh, c'est pas encore fini quoi. Devine. Suis mon Ludo. Maman. Oui. Maman t'appelle. D'accord j'arrive. Tu mon Ludo. Mais Charlie, oui. Donne-moi ta petite soeur. Tu aussi. Tu sais très bien qu'elle sort avec Jacques. Elle sort avec Jacques. Est-ce que lui et Jacques sont des frères? Oh. Je ne peux pas faire ça. Comme cadeau de mariage, c'est une très belle petite voiture qu'il a offert. Je l'ai vue en photo. Edwige. Ah oui. Hein? Vois-tu comme cadeau de mariage? Mmh. Fini les amis d'Alo. Tu as la chance. Et puis tu sais quoi? Après le mariage, 2 mois après le mariage, je vais le rejoindre en Europe. Hé? Oui. Genre, tu vas devenir Yovo de toi, quoi. Oui. Et si mais là, là. Oh, t'inquiète, je vais pas t'oublier. Ma cousine. Les gars, je dois vous laisser. Oh. La vieille m'appelle. Déjà comme ça? Ah, d'accord. Oui. Mais si c'est comme ça, nous, si on se peut faire. D'accord. On se dit à plus. Merci. Prends chaise. Viens t'asseoir, Sylvie. Prends la chaise, viens t'asseoir. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Tracy? Je vais très bien, et toi? Ah, ça va, on rend grâce. Quel bon vent ce midi. Ah, je reviens du studio comme ça, sur le chemin de retour. Je voulais passer te dire bonsoir. Du studio? Oui. Mais, et ton manager? D'habitude, c'est lui qui vient te déposer, non? Kofi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon manager veut sortir avec moi. Et j'ai refusé. Depuis, c'est la guerre. Il ne me trouve plus les scènes, ni de cachet. Même les petites scènes que moi-même je trouve, il ne m'accompagne plus. Quand je l'appelle, il décoche quand il veut. Kofi.
Tu sais que Kofi, c'est mon cousin. Ah bon? C'est pas Kofi qui manageait et l'autre influenceuse, là, Edwige. Ah oui, ça, je suis au courant. C'est mon cousin. Tu sais que Kofi, même et Edwige, là, ils ne travaillent plus ensemble. Oui, ça, je le sais. Mais ils travaillent bien, non? Oui, ils travaillent bien. Si c'est pour le travail, ils travaillent bien. Maintenant, ma chérie, tu attends quoi? Comment? S'il travaille bien, là, donne-lui ce qu'il veut. Un coup en passant, ça ne fait rien. Ma chérie, il faut donner, si c'est pour le boulot, là, il faut donner. Il y a des gens à qui on donne sans rien avoir en retour. Alors donne, ma chère. Ah, cette histoire de mariage et autres, là, moi, je ne suis plus dedans. Hein. Je me sens très à l'aise comme ça. Oh. Oh. Mes enfants. Oui, maman. Mmh. Je reviens de chez la maman de Boga comme ça. Il est vraiment décédé. Donc les sorciers l'ont pris comme ça. Mais les sorciers là sont mauvais. En plus, c'est le seul fils de sa maman. Mes enfants. Oui, maman. Il est vrai que en Afrique, tout ce qui se passe de mauvais, on les attribue aux sorciers. Mais ces derniers temps, ce qui tue le plus en période de fête, si ce n'est pas l'empoisonnement, vous connaissez à l'opli? Non, maman. Non, maman. Les frères de sang, les amis, doivent se donner des limites. Vous ne devez pas aller coucher avec la même femme. Boga, dans son groupe WhatsApp, il sort avec une fille. Alors que dans le même groupe, il y avait un aussi qui couchait avec sa copine. Pendant qu'il était malade couché sur son lit, ils lui ont tous rendu visite. Aussitôt après leur départ, le hockey est rentré dans sa maladie. Il est décédé comme ça. Mais ton honneur et ta dignité là, tu en fais quoi? Ah, ma chérie, laisse tout ça. Est-ce que dignité là peut payer le loyer? Ou bien c'est l'honneur qui va payer mes chiens? Oublie ça, ma chère. En tout cas, je préfère garder ma dignité et souffrir pour gagner ma vie. Ah, ça c'est ton choix. Comme je suis de retour là, je vais aller me reposer, retourner au studio. Oui. Comme je vais demander la route. Ok. Bon, ma chérie, réfléchis très bien ce que je t'ai dit. Votre histoire de musique là, vous allez où avec ça même? Hein? Ça vous amène où? Si c'est pas pour venir signer un contrat de 50 000 chaque 6 mois. Hein? Faut donner du temps en temps pour avoir de petits trucs, c'est rien. En tout cas, nous on n'a pas le choix. C'est le travail que nous aussi on a choisi. Merci ma chérie. Bonne chance à vous. Je vous accompagne. Tout à l'heure quand je revenais là, toi là, je t'ai vu en train de boire avec tes amis dehors là-bas. Mon fils, tu n'es pas du tout vigilant, hein? Garde-moi ma bière, j'arrive là. Ça a mené plusieurs jeunes au cimetière. Yoa! La vie est de courte durée, hein? Mais elle est précieuse. Ne fais plus ce genre de bêtises. Sois vigilant. Ma fille, si tu veux prendre un taxi durant cette période et tu fais le constat que le chauffeur a pris de l'alcool, il sent là. Faut pas prendre cette voiture ni la moto. Oui, maman. Tu as compris? Oui, maman. Hein. Ok, je vais aller me coucher. D'accord. Merci, maman. Merci. Okay. Le beau des beaux, santé. Sinon, le beau, je suis de passage dans le quartier. Et comme je sais que tu vis dans les alentours, je me suis dit, ah, faudrait que je voie mon beau avant de partir. Voilà. Mais je me suis égarée.
Et je me suis égarée le bon, je me suis promenée jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans la maison des gens. Ils se sont moqués de moi. Mais Dieu merci, je suis là, je t'ai retrouvée. Vraiment, vraiment. Mmh. Dieu merci. Yeah. Et je suis très content que tu t'es retrouvée. C'est moi qui suis contente, le beau. Vraiment, je suis contente. Et félicitations. Merci. Edwige a de la chance. Non, non, on est deux à avoir cette chance. La personne qui a le plus de chance là, c'est Edwige. Parce que les benguistes là, les Simélan, Yovodito là, on les traite souvent des infidèles, les gens qui ne sont pas sérieux, les escrocs, les gens qui font des choses glamaglama quoi. Mais toi seulement le beau, je sais que tu es quelqu'un de bien, tu es fidèle. Le merci. Beau, le beau. Merci pour les compliments. J'ai de la chance. Et puis, elle, elle m'a parlé de votre réception de mariage. Elle m'a dit que soit c'est à 2 février ou c'est à Sarakawa. Genre, les grands hôtels là, quoi. Et je me suis dit, mon bois fait fort. Non, vraiment, félicitations. Je suis très contente pour ma cousine chérie. Le beau, il ne faut pas le prendre mal. Je me demande si c'est vraiment la peine de dépenser autant d'argent sur une femme dont tu n'es pas sûr. Genre, tu te poses des questions, tu vois. Bon, tu sais, ta soeur, je veux dire, ma cousine, ta cousine adorée. Je l'aime très bien. Donc, pour lui montrer réellement ce que je ressens pour elle, c'est pour cela que je veux dépenser énormément d'argent dans notre mariage. Mm-hmm. Je sais, le beau. Je sais que tu es un caviar. Gros grain. Sinon, je ne sais pas, est-ce que tu sais que Edwige est influenceuse? Influenceuse comment? Hey, ouais. Ah, le beau! Le beau, Edwige est influenceuse. Tu vois les filles qui se dénudent sur les réseaux sociaux, elles portent souvent les bikinis, elles font des voyages VIP Dubaï et tout ça, les jets privés, tout ça, les filles qui elles parlent de façon vulgaire, les blogueuses, elles font les clashs et tout ça, elles portent des tenues extravagantes là. C'est ça, Edwige, fait. Il est bien vrai qu'elle fait des vidéos et j'ai même vu quelques-unes de ses vidéos. Mais faire des vidéos et être influenceuse, c'est deux choses différentes. Le beau, toi-même avec le temps, tu verras le vrai visage d'Edwige. Bon, on ne va pas rentrer dans certains détails. Moi, Shamsia, je vais partir. Je vais m'en aller. Mais avant ça, j'aimerais te demander une faveur. Tu sais, demain, on a une réception entre les filles, hein, entre nos filles, quoi. Donc, les filles, elles vont arriver, mes camarades là, elles vont arriver avec leur chéri dans des voitures. Alors que voilà, moi, j'ai un petit copain là, je n'aime pas. Donc, je me demande si demain, tu peux passer me chercher, me déposer là-bas. Comme ça, quand elles vont me voir arriver dans ta grosse voiture là, hey, d'ailleurs, ça va envoyer mon nom en l'air, quoi. Genre, je serai en haut là-bas, quoi. Ça va me lever un peu. Et puis, j'aurai beaucoup de choses à te dire dans la voiture. À propos d'Edwige. À propos d'Edwige. De beau, de beau. Ok.
Là, sans problème. Mm-hmm. Sans problème. Bon, le beau, je vais pas trop tarder. Je vais m'en aller. Le beau de beau. Bon, aujourd'hui, tu as bien travaillé. Demain, tu passes pour le doublage de la voix. Ok. Dis, et ta Boris, elle est là? Oui, elle est là. Ok. En venant demain, tu peux venir directement avec elle comme ça. Elle peut commencer par travailler. Ah, pour ça, je vais l'appeler, voir si elle est disponible. Ok. En passant, le numéro que je t'ai donné la dernière fois, Monsieur Diaz, t'as pu l'appeler? Je l'ai appelé et on a beaucoup parlé. Il a dit quoi? Il est partant de travailler avec moi. Mais sauf que depuis, c'est Monsieur Kofi qui est toujours le problème. Monsieur Kofi? Oui. Il a quoi encore? Kofi est gravement fâché. Rien que parce que je lui ai annoncé que non, que c'est comme ça qu'il a trouvé quelqu'un avec qui travailler désormais. Et que le rôle principal du manager lui revient et que lui passe en second plan. Il dit non, que lui ne peut pas commencer quelque chose depuis et puis du jour au lendemain, lui passe en second plan. Il est jusqu'à aller menacer de le paralyser. Quoi? Ça devient sérieux là. C'est pas des propos à prendre à la légère. Bon, ce que tu dois faire, il faut apaiser ta colère. Tu l'appelles, tu parles avec lui, après tu appelles Diaz. Donc, tu acceptes qu'il soit ton manager principal et Diaz le second. Parfois, si tu l'appelles, ne décroche pas, tu peux appeler Diaz et Diaz t'accompagne. Tu sais que bientôt, tu as des sons qui vont sortir. Donc, il faut essayer de parler avec lui, avec toutes ces querelles et ces menaces, ça ne va rien t'amener. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente et puis ça va. Ok. J'ai compris. Bon, il se fait tard. Tu vas rentrer. Ok. On dit à demain alors. Ok, on se dit à demain. Merci. Papa, au soleil. Papa. Papa, j'ai un sérieux problème. Papa, ça ne va pas du tout. Ma meilleure amie veut m'arracher mon mari. Ma meilleure copine, papa. Les gens me disaient ça, qu'ils soupçonnent, qu'ils sont ensemble. Mais moi, la façon dont je vois ma copine là, je suis sûre qu'elle couche avec mon mari. Papa, mon mari m'a promis des choses, il n'a rien fait. Mariage, voiture, prêt-à-porter, boutique, rien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai rien vu, papa. Je suis fatiguée, papa. Je veux reprendre mon mari. C'est pour cela que je suis venue vous voir. Ma chérie, ça c'est un petit problème. C'est que mon mari me revient. Mon mari s'appelle Globo. Ma meilleure amie s'appelle Edwige. C'est tout, papa. Ana brukusu e na brukusu obi mpe o obi pe obi mpe o obi pe obi mpe o obi pe prends cette poudre fais tout et tout pour mettre dans une outil pour elle papa ma copine n'aime pas manger chez les gens. Comment je peux faire ça? Ma chérie, nous sommes en période de fête. Chacun mange chez chacun. Elle te fera plaisir de goûter ta nourriture. Et c'est le moment d'en profiter. Madame le Goussou. Merci beaucoup, papa. Madame le Goussou, Nana Brukusu. Obi mpe o obi pe. Obi mpe o obi pe. Vas-y, ma chérie. Merci beaucoup. Nana Brukusu, Nana Brukusu. Nana Brukusu, Nana Brukusu. Bon, Trissy, travailler à toi, moi ça ne me gêne pas. Au contraire, ça me ferait encore plus plaisir.
Mais il faut régler le problème qui est entre toi et Kofi. Parce que tu as commencé avec lui. Vous avez tout fait ensemble. Et puis un coup, arrêter et puis travailler avec toi. Je suis dans le milieu il y a longtemps. Je sais de quoi je te parle. Ça peut agiter ta carrière. Tu vois un peu. Donc s'il en faut, on peut s'asseoir à trois, discuter. Il est le manager principal, moi je suis le second. Il n'y a pas de problème. Tu vois non? Parce que je ne veux pas que ça agisse ta carrière. Sinon ce que tu dis là, je ne refuse pas. Sauf que ce qui se passe entre Kofi et moi là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Même si on s'assoit à trois et on règle le problème, moi je veux que tu sois le manager principal et lui le second. Sinon, Kofi là-même, il n'a plus le temps. Tu vois, lui-même, il est devenu chanteur, manager, en même temps humoriste. Il n'a plus le temps. Regarde, même il dit qu'il va venir à 17h, voilà, il est 18h30. Il n'a plus le temps. Bon. Ok. Mais il est souhaitable que tu discutes avec lui. Hein? Moi, je vais partir. Ah, et si tu pars maintenant et puis viens? Ah, mais ça fait une heure de temps que je suis là. Moi aussi, j'ai des coups, ça fait. Donc, il faut discuter avec lui. Et puis, bon, tu me fais le retour. On va gérer ça. Ok, on est ensemble. Ma fille, tu as compris. C'est pourquoi je t'ai appelé au téléphone pour te dire de regagner ton foyer avant la fin de cette année. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'homme taillé sur mesure, non! Ils sont pleins de défauts. Sur cette tête, Dieu n'a créé que des hommes avec des défauts. Mais c'est à toi de marier ces défauts, les épouser en qualité. Tu sais l'erreur que toutes les jeunes filles commettent. Elles pensent qu'il n'y a que l'homme idéal. Avec des qualités, il n'y a pas de défauts. Et tu les verras avec un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Je ne veux pas que tu finisses ta vie ainsi. Il faut regagner ton mari. Tu as compris? D'accord, maman, j'ai compris. Bon, ok. Je vais demander la route. Ok. Au revoir, maman. Ok, au revoir. Il faut m'appeler demain. Hein? D'accord, maman. Ouais, très vite. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Kofi, comment tu vas? Oh, je vais bien et toi? Ah, ça va. Ça va? Oui. On dit quoi? Tu m'as demandé de venir. Ah oui, c'était pour te présenter quelqu'un avec qui je veux travailler là. Il était là tout à l'heure, mais comme tu n'es pas venu vite là, il vient de partir. Ah, je voulais qu'il devienne mon manager principal et puis toi, tu pourrais devenir le deuxième manager si je peux. Donc, c'est à cause de ça que tu m'as appelé? Oui. Bon, je dis où? Et ce que je t'ai dit là, ce que je t'ai dit par rapport à toi et moi là, qu'est-ce que tu en fais? Ah, Kofi, je t'ai dit c'est ma carrière qui m'intéresse. Ce que tu dis là, ça peut pas passer. En tout cas, moi je voulais qu'il devienne le manager principal et puis toi le second. Si ça peut passer, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, tu voulais que lui devienne le manager principal et moi je vais devenir le second? Oui, si possible. Dis ça va comment? Diez manager. Diez manager? Oui. Tu as sa photo? Oui, je crois. Je vois. Je crois que j'ai sa photo. Voilà. Lui là, quand tu vois lui là, il peut faire quoi? Quand toi-même tu regardes lui là, sur yeux rouges comme ça là, il peut faire quoi? Ou bien parce que quand lui là, les yeux plus gros que moi, tu penses qu'il voit clair, il voit tout, moi je vois rien. Faut pas t'amuser moi, avec tout ce que j'ai fait, j'ai lutté, j'ai créé des pages, aujourd'hui tu vas venir t'asseoir devant moi pour dire, moi je regrette manager adjoint et puis quelqu'un va être personnel. Faut pas t'amuser comme ça à ce jeu là, faut pas t'amuser, moi je peux le paralyser, faut pas t'amuser à ce jeu là. Non, je te conseille pas de t'amuser à ce jeu là. Tu comprends ce que j'ai entendu dire? Il faut me passer sur le corps pour être manager principal. Tu as compris ce que je t'ai dit? J'ai compris. J'ai compris. Merci. Merci. Je dis merci.
Maman, pardon, je te parle. Assois-toi. Merci, maman. Maman, oui. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler avec ma grand-sœur. Tu lui disais de se réconcilier avec son mari. Quoi de plus normal? Mais maman, lors de leur séparation, je suis sortie avec son mari. Quoi? Sacrilège. Comme hier, tu parlais de Alopri avec mon frère. Donc, je me suis dit que si je continuais de sortir avec son mari, ça allait lui faire du mal. J'ai dit à son mari de ne plus sortir avec elle. Et ça va faire quoi? Hein? Vous voyez? C'est ce genre de choses qui tuent plus que la sorcellerie que vous criez sur tous les toits. Yeah. Oh mon Dieu. Bon. D'accord. Demain matin très tôt, je vais aller voir ton oncle. Lui exposer la situation pour voir quel conseil il doit nous donner. Quitte ici! Mon frère, tiens, mange et après parle dessus. C'est bon. Faut parler maintenant. Bon, Toby, je suis venu parce que je manageais une artiste, une influenceuse qui s'appelle Edwige. Quand elle a eu beaucoup d'abonnés maintenant là, elle m'a laissé. Elle allait prendre un autre manager. Après, j'ai commencé à manager une autre artiste. Elle s'appelle Tracy. Je l'ai managée, je l'ai envoyée en haut, en haut. Aujourd'hui là, elle aussi, elle dit non, qu'elle ne veut plus travailler, moi elle a trouvé un autre manager. Moi, mon objectif ici, est que faut pas, artiste là, faut pas elle avoir qu'un seul contrat. Si c'est pas moi qui va la manager là, faut pas elle avoir un seul contrat. Elle n'a qu'à rester là-bas, juste à, elle n'a qu'à moisir. Sa chanson là, faut même pas, quand on joue comme ça là, les gens n'ont qu'à se fâcher plutôt. Quand on joue ça, dès que quelqu'un entend sa musique, la personne est fâchée. Dès que quelqu'un entend sa musique, la personne est fâchée. Et tant qu'elle n'a pas venu me demander pardon, me prendre comme manager là, faut pas que je sois marché pour elle. Maintenant son manager là, lui, il n'a qu'à devenir aveugle. Il n'a qu'à devenir aveugle. Tant qu'elle n'a pas venu me demander pardon, pour reprendre avec moi là, faut pas sa carrière va bouger. Elle n'a qu'à rester un peu comme ça, elle va s'éteindre. L'influenceuse là, elle aussi, c'est moi, j'ai tout fait pour elle. C'est moi, j'ai tout fait pour elle. Aujourd'hui, elle aussi, elle ne veut plus. Elle a pris un autre manager. Mais ce que je veux là, elle là, sa carrière n'a qu'à se mélanger carrément. Si elle prend caméra comme ça, portable comme ça, elle va se filmer là. Elle regarde dans le portable là comme ça, mais c'est pas elle, elle voit quelqu'un d'autre. Faut pas ces trucs vont marcher jusqu'à ce que tous vont me rappeler. Et puis, et on va commencer à travailler ensemble. Nana Brukuso. Obimpe. Bibi Bessio. Mon frère, je ne fais plus ce genre de travail ici. Donc, vous voyez là, nous avons aussi la conscience. Mais pourquoi leur chercher du mal? Laisse-les avec leur conscience. Tu sais, dans cette vie-là, chacun a son étoile. Un jour pour toi va arriver. Si on les cherche du mal tout de suite là, si tu ne payes pas, tes fils paieront. Oui, mais là, toi là, c'est moi j'ai fait ça. Oui, je sais, mon frère. Pour toi va arriver. Tu sais, nous les féticheurs maintenant là, en 2022, nous avons nos règlements. On ne va plus faire ce genre de travail de malveillé, chercher du malheur aux gens. C'est pas bien. Nous sommes là pour le bonheur. Tu as compris, non? Nana Brukuso. Va dans la paix du Togui, Nana Brukuso. Vas-y.
Vas-y! Monsieur Kofi, oui. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci, plaisir partagé. Bon, en fait, c'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui. Et il m'a dit que vous êtes manager des artistes. Oui, oui. Ah. Je suis manager. Voilà. Bon, d'ici la fin d'année, oui. J'ai un mariage à célébrer. Un mariage? Oui, oui. Ah, ok. Félicitations d'avance. Merci. Et bon, à la réception, je veux une dizaine d'artistes togolais qui chantent, qui prestent dans la soirée. Artistes togolais? Voilà, une dizaine. Et il y a une fille là, en particulier que je veux, Tracy. Tracy? Oui. C'est depuis l'Europe que j'entends ces chansons. C'est une fille vraiment qui se débrouille pas mal. Bon, je sais pas si vous avez son contact pour l'ajouter au 10 là. Tracy là, c'est moi, je suis son manager. Ah bon? C'est moi, je suis son manager. Là, ça tombe bien. Ou bien du moins, j'étais son manager. Ah. Ça tombe pas bien. Ça tombe pas bien parce que moi, je ne peux pas vous conseiller un artiste comme ça. Ouais. Parce que si celle-là, si vous l'ajoutez à l'événement, les gens vont penser que c'est un truc de prostitution que vous êtes en train de faire là-bas. Ça, c'est pas artiste, ça. Ça, c'est pas artiste. Heureusement que vous avez frappé à la bonne porte, je vais vous dire les vraies choses. Ça, c'est pas artiste. Moi, je ne peux pas te conseiller, pour l'amour que j'ai pour toi, moi, je ne peux pas te conseiller une artiste comme ça. Donc, c'est pour ça que moi-même, j'ai arrêté de travailler avec elle. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler avec elle. Donc, si vous avez une feuille et puis un bic, donnez-moi, moi, je vais vous faire une liste des artistes que vous pouvez inviter. Voilà. Précis. Ah oui, ma chérie. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Ça va, ça va. Et les activités? On est dedans, ça va. Et les allers-retours au studio? Ah, on est dedans, ça va. Sauf que deux jours-là, je n'ai plus de manager. Comment ça, tu n'as plus de manager? Je n'ai plus de manager. Et Kofi? Ah, Kofi veut me mougou. J'ai refusé depuis tout est parti en fumée. Hé? Attends, Kofi aussi est dans ça? Oui. Et puis, je sais que depuis deux jours-là, il est devenu influenceur. Influent quoi? Ah, et il n'a plus mon temps. Yoa. C'est quoi cette histoire d'influenceur? Oui, il va dans les gros endroits, il fait des vidéos, il prend des photos. Même si quelqu'un paye champagne, il prend, dépose devant lui, il fait vidéo, il prend photo comme si c'est lui. Oui, il est devenu influenceur. Bon, et vous avez dit artiste togolais? Oui, oui, artiste togolais. Mais moi, je ne peux pas vous conseiller ça. Moi, je peux vous proposer autre chose. Bon, vous connaissez Debordo? Oui. Debordo Likoufa. Mais, monsieur Kofi, oui. Il est ivoirien, non? Oui, il est ivoirien, mais il va tuer. Il est ivoirien, mais vous faut laisser, il va tuer. Tu as compris? Serge Benoît, au moins, vous connaissez Serge Benoît. Serge Benoît. Maintenant, à ça, on ajoute Kofi Dagobert Premier. Bon, c'est un artiste chanteur aussi? Oui, lui, non, ça c'est moi-même. Ah. C'est, bon, au fait, le son n'est pas encore sorti. Actuellement, même s'il y a 60 000, jusqu'à le soir, j'ai fait sortir ça. Ça va sortir, mais je sais que ça va vous plaire. Donc, si je comprends bien, vous êtes manager et puis chanteur. Oui, maintenant je suis devenu encore influenceur. Ah. Artiste, chanteur, influenceur. Attends, mais, moi je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire d'influenceur même? Est-ce que moi-même je sais? Qui influence qui? Est-ce qu'ils sont là à montrer la vie de luxe sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils montrent une vie dans laquelle ils ne sont pas en réalité? C'est quoi ça? C'est ça. Moi je dis je suis fan de toi. Genre tu m'influences. Maintenant tu fais des voyages. Tu vois, tu premier classe, business class, tu vas dans des endroits, tu prends vidéo, photo. Du jour au lendemain, tu tombes malade et on me demande de cotiser pour toi. Oui, SOS. Attends, moi je ne suis pas contre le fait de cotiser pour un ami qui est malade. Ah, je ne suis pas contre. Mais
Toi qui dis tu m'influences là. Tu es supposé avoir des économies, avoir, tu vois, une vie assez stable. Oui. Comment ça, du jour au lendemain, tu tombes malade, on me demande de cotiser pour toi. Moi que tu influences là, c'est pas normal. C'est quoi cette histoire d'influencer? Et puis c'est des gens, ils font comme s'ils sont quelque chose alors qu'ils sont rien. Bon, sur ce, je veux aussi deux humoristes togolais. Deux humoristes togolais. Ouais, ça prouve qu'il y a longtemps vous avez quitté le pays. Si vous prenez humoriste togolais pour venir vous faire rire, au contraire, il va venir vous énerver. Faut pas inviter humoriste togolais. Tu as compris? J'ai entendu parler d'un petit tchadien. Je l'ai pas vu. Mais on dit qu'il n'est pas bon. Il est dangereux. On va l'inviter. Il y a un petit béninois aussi. Au nord du Bénin, qui fait mal là-bas. On va le faire venir. La soirée est assurée. La soirée est assurée. Maintenant, au niveau des humoristes, moi-même, je peux appuyer. C'est-à-dire que je peux venir en troisième plan. Je fais rire les gens. Mais ils peuvent être nombreux comme moi. Moi, je peux le faire rire moi seul. Mais vous allez voir, c'est la réussite. Non, attendez. Donc, vous êtes encore humoriste aussi? Non, humoriste, ça, je suis humoriste aussi. Humoriste aussi, je fais ça. Il fait rire. Il fait rire les gens. Et monsieur Kofi, dites-moi, lorsque je suis de retour au pays, j'entends souvent parler d'influenceurs, influenceuses, tout ça là. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez une formation pour ça? Ce que vous dites là, ça c'est vrai, hein? Mais ça c'est chez les blancs là-bas. Chez nous ici là, tu prends quelqu'un italien, tu l'insultes propre. Tu l'insultes. Un innocent, tu connais rien de sa vie, tu le dénigres, tu dis tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait dans sa vie, tu dis. Tu vas avoir 300 000 vues. C'est comme ça ici. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok, ok. Bon, monsieur Kofi, oui. Et je vous remercie pour vos propositions. C'est moi qui vous dis merci. Donc, d'ici demain, oui. Je vais réfléchir et je vous ferai aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon, tout ça, c'est un petit problème. Il suffit de réfléchir et puis vous me faites signe. Okay. La soirée est assurée. Ok. Bon, merci beaucoup. Non, de rien. Au revoir. Maintenant, je comprends pourquoi le showbiz togolais est à terre. Mais c'est pas bien. Ah. Edwige. Maman. Mais tu as quoi? Et tes courses? Ça s'est bien passé? Oui, maman. Non, je vois que ce n'est pas bien passé. Il se passe quoi, ma fille? Maman, il y a un problème. Grobo veut annuler notre mariage. Il ne le dit pas clairement, mais je le vois dans ses faits et gestes. Avant, il voulait qu'on se marie avant les fêtes. Maintenant, quand je lui parle de ça, il dit qu'il préfère que ça se fasse après les fêtes. Et qu'il a certains engagements, qu'il a certains problèmes et tout. Mais maman, moi je sais qu'il y a un problème. Et puis je le vois venir. Qu'est-ce qui a pu bien tourner? Mais maman, je ne sais pas. Je me dis ou bien il a entendu quelque chose quelque part. Ma fille, tu t'es toujours dit de ne pas causer de toutes tes affaires à tous tes amis. Hein? Ou bien il a vu tes vidéos bizarres là que tu poses sur les nets. Maman, toi-même tu sais que je ne poste pas de vidéos bizarres. Et ta cousine Samsia là? En tout cas, je ne dis pas qu'elle a dit quelque chose, hein. Mais, toujours en la voyant, non, elle ne m'est jamais claire. Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai une recette de grand-mère que je vais utiliser pour détecter la cause de tout ceci. D'accord, maman. Ne t'inquiète pas, ma fille, ça va aller. D'accord.
Et la bonne, tu l'as vue? Non, quand je suis rentrée, je ne l'ai pas vue. Je suis marquée dans sa chambre. Donc elle ne sait pas que tu es de retour? Non, elle ne sait pas. D'accord. Toi, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Appelle Samia. Dis-lui de venir te voir à 14h. Tu as compris? Oui, maman. Ok, vas-y, maman. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie, ma chérie. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, ma chérie. Oh, qu'est-ce qu'il a? Comment il s'est foulé? Et il veut faire quoi? Je l'aide à prendre sa moto. Mais vous aussi. Oh, remettez-moi la clé. Comment il peut conduire dans cet état, surtout à cette période de fête? Rentrez à la maison, il va se coucher sous l'arbre là-bas. Alors, il sera 17h, il prend une douche et il rentre à la maison. Mais tu vas lui remettre sa moto demain. D'accord, maman. Allez, moi. Oh, elle est bonne. Ashley. Dami. Comment la tante? Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? Je range les choses. D'accord. Bon, et Samsia, la cousine d'Edwige, elle va arriver ce soir à 14h. D'accord, tante. Tu lui diras que Edwige ne se sent pas bien et qu'elle dort. Je dirai de pareil à son fiancé Globo quand il m'appellera. Au fait, Edwige n'est pas là. Tu connais Dani, non? Oui, oui, oui. Son ancien copain. Il lui a demandé de l'accompagner à Palémé. Actuellement, ils sont ensemble à Palémé. Donc, tu comprends ce que je voudrais te dire, non? Oui, oui, tante. D'accord. Tu diras à Samsia qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle dort. D'accord? D'accord, tante. Ok. Moi, je vais faire certaines courses en ville. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tante. Mmh. D'accord, j'arrive. Bonne arrivée. Je vais bien. Merci. Assieds-toi. Merci. Alors, comment tu vas? Oh, ça va bien. Et le boulot? On se défend pas mal. La famille. Ça va bien. Et toi, ça va, non? À la togolaise. Alors, elle est là, Edwige? Oh, Edwige, elle est sortie. Sa maman l'a envoyée ce matin. Aïe. Celle qui m'a dit de passer à 14h, comment on l'envoie et elle ne m'avise pas? Comme tu es de la maison, je vais te dire la vérité. Tu connais Globo, non? Oui, celui qui est en Europe. Mm-hmm. Il a demandé la main d'Edwige, elle a accepté. Mais elle continue toujours pas à sortir avec Daniel. Quoi? Attends, Edwige sort toujours avec Daniel? Elle sort toujours avec Daniel, c'est bon ça? Et ce matin même, il est là. Pour la demander de l'accompagner à Palimé. Hey, donc à l'heure là, Edwige à Palimé avec Daniel. À Palimé. Edwige à Palimé. Avec Daniel. Le comble que. Le comble que. Globo a appelé ce matin sa maman. Sa maman dit qu'elle dort. Elle est dans la chambre. Hey. Attends. Jean, la vieille complice quoi? Complice. Mmh. Nao. Et Edwige. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Ah, pauvre Globo. Pauvre Globo, vraiment. Mm-hmm. Aïe, ma chère, moi je m'en vais. Oh, déjà? Ah, celle que je suis venue voir n'est pas là. Je fais comment? Je m'en vais. D'accord. Bon. Oh. C'est un peu. Ah, t'inquiète. D'accord. Bon, au revoir.
chérie. Tu veux pas venir me chercher rapidement comme ça, ça me dira où. Oh, copine, il y a affairage. Aujourd'hui, on va assister à la honte de Edwige et sa maman. La honte? Eh oui, copine. Aujourd'hui, Edwige m'appelle de passer chez elle à 14h. J'arrive là-bas, patapata. La domestique me dit qu'Edwige est partie à Palimé. Edwige est à Palimé avec son ancien copain. Ouais. Alors que son fiancé Globo a tout calé pour le mariage. Hey, hey. Edwige est à Palimé. C'est pas vrai. Ah. Moi, j'ai déjà fait signe à Globo. Hein? Il va arriver là-bas. Hein? Il va venir là-bas. Donc, on va venir. On va se retrouver là-bas. La honte de ça. Et oui. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Dégâts. On s'en va là-bas comme ça. Les filles, ça va? Ça va bien, maman. Ça va, maman. Quel bon vent vous amène. Ah, j'étais venue ici autour de 14h pour voir Edwige. Mais Ashley m'a dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle dort. Donc, je suis revenue avec ma camarade pour voir si elle va mieux, quoi. Ok. Excusez. Ah, Globo. Bonsoir, maman. Bonne arrivée. Merci. Bonsoir. Oh, bonsoir, Bo. Comment tu vas? Je vais très bien. Et les activités? Ça va, on rend grâce. Le beau des beaux. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Comment ça va? Oui, ça va. Quelles sont les nouvelles? Bon, rien de spécial. Comme je viens de vous appeler, vous m'aviez dit que ma chérie est souffrante. Je suis inquiet. Je suis venu voir comment elle va. C'est pour cela que sa cousine et son amie aussi sont là. Effectivement. Mais elle dort toujours. Maman, je veux la voir. Globo, est-ce qu'on ne peut pas la laisser dormir encore un tout petit peu? Maman, on n'apprend pas à un vieux singe à faire les grimaces. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Vous savez très bien de quoi je parle. Globo, il y a un problème? Non, ça va. Maman, si ma chérie est là, je veux la voir. Globo, je t'aime comme un fils. Ne l'oublie jamais. Et vous, les filles, est-ce que vous aimez Edwige, vraiment? Mais maman, comment tu peux poser cette question? Edwige, c'est ma cousine adorée et c'est ma brésilienne. Je l'aime, Edwige. C'est quelle question, ta maman? On l'aime très, très fort. On l'aime. Edwige. Ok. Vija! Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, ma chérie. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Ma fille. Ashley! Ashley! Me voici, tante. Qu'est-ce que je t'avais dit en sortant à propos de Sanxia? Que si elle vienne, que je la dise que tata Edwige dort, qu'elle est dans la chambre. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ouais, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit quelque chose, Ashley? Oui. Dis, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tata Edwige est partie à Palimé. Avec son ancien copain. Hein?
en attendant que je finisse avec elle, toi tu rentres dans ta chambre et commences par arranger tes affaires. J'arrive. Bon, maman, je pense qu'on va... Ma fille, tu vois? Je t'ai toujours dit de ne pas causer de tes projets, de tes problèmes et de ton mariage à tes amis ou à ta cousine. Toi, tu les aimes, mais tu ne connais pas leurs intentions. Tu vois? Celles que toi, tu aimes. Ce sont elles qui sont en train de gâcher ton mariage comme ça. Globo, oui, maman. Je t'ai dit tout à l'heure que je t'aime comme un fils. Alors, prends soin de ma fille. Et vous? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'êtes pas assez grande pour aller chercher vos hommes et vous marier aussi? Et laisser ma fille et son fiancé tranquille? Hein? Vous n'avez pas honte?